Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre programme de l'actualité du sport à l'international. Vous l'avez remarqué, bien sûr, nous sommes sur les Champs-Élysées à Paris. Au sommaire de cette édition, nous allons vous offrir une enquête exclusive concernant la mafia dans le foot avec le jeune Allemand d'origine croate, Ante Sapina, qui est au cœur d'un véritable scandale dans le milieu du football en ayant corrompu les joueurs et les arbitres. Voici pour vous Samedi Sport. Reparti pour les aventures folles de Samedi Sport, pour ainsi vous présenter la rubrique Média Presse, l'actualité sportive de la presse internationale. Oui, Samedi Sport sur Canal 2. Bienvenue dans la rubrique Média Presse, l'actualité de la presse sportive internationale. Blick Sport, le quotidien suisse il y a quelques jours. Franck Etundi assure un point contre Mönchengladbach en UEFA. Dieu soit franc et ce week-end, le Camerounais a inscrit un doublé pour la victoire de son équipe. La course pour Mbolo, la nouvelle perle du football camerounais entre la Suisse et le Cameroun. Le combat pour Mbolo, le coach du Cameroun, Van Kuffinker, a fait des avances pressantes pour le joueur au micro de la télévision suisse-allemande. Quand est-ce que l'attaquant du FC Bâle va-t-il enfin recevoir son passeport? S'interroge la presse suisse. À la une du quotidien britannique The Sun Sport, Mario Balotelli serait sorti furieux à la suite de son remplacement car ce dernier, avant même d'entrer au vestiaire, a pris sur lui d'échanger son maillot avec Pepe, ce qui n'a pas été du goût du coach Brendan Rodgers. Le quotidien rappelle que Balotelli a eu une piètre prestation. Roy Keane, quant à lui, fait une sortie remarquée concernant la famille Glazer à Manchester United qui, selon lui, gère le club comme une véritable mafia et qu'en plus, personne dans le vestiaire n'ose lever le petit doigt. Le quotidien portugais Abola affiche clairement le manque d'ambition de Benfica en compétition européenne, notamment Champions League. Et le quotidien revient sur Ronaldo, la star portugaise, qui serait à un seul but du record de Raoul en Ligue des Champions. Le quotidien italien Il Corriere dello Sport titre « La Juventus et le cauchemar européen » et sa défaite, un but à zéro en Grèce, fait jaser les tifosis. Robinho mis en examen pour viol, l'international brésilien a été impliqué dans une affaire de mœurs cette semaine. L'ancien ballon d'or, Fabio Cannavaro, quant à lui, est mis en examen pour fraude fiscale et 900 000 euros lui ont été confisqués pour la suite de la procédure. La Gazzetta dello Sport titre ce matin « Rimpiante Greco », soit le regret grec de la Juventus qui n'a pas su revenir dans la partie. Une situation qui remet les Blanconegro dans un scénario inconfortable dans leur groupe. Abbiati, l'international italien, avoue qu'avec l'arrivée d'Inzaghi, le Milan AC a énormément changé. Le quotidien espagnol Marca a décidé de chambrer ce matin les supporters des Reds à la suite de la victoire historique du Real Madrid face à Liverpool, en titrant « Con la boca abierta », soit les supporters sont restés bouche ouverte. AS, l'autre quotidien espagnol, quant à lui, évoque un antifiel qui s'est mis à genoux face à l'ogre madrilène. Rappelons que l'autre club de Madrid, soit l'Atlético, a déroulé face à Malme 5 buts à 0. Le quotidien catalan Sport confirme que Luis Suarez jouera le Classico de ce week-end et en principe il sera l'arme secrète de Luis Enrique et la star de l'Uruguay est physiquement en pleine forme selon le quotidien. Le quotidien France et l'équipe revient ce matin sur la présentation du Tour de France 2015 qui serait vertigineux avec 7 étapes de haute montagne avec l'ascension de l'Alpe d'Huez avant l'arrivée de Paris et seulement 14 km de contre-la-montre individuelle. Ce tour donne le ton aux grimpeurs.
France Football cette semaine évoque le pétrin dans lequel se trouve Zidane. Dénoncé auprès des instances espagnoles pour ne pas avoir les diplômes suffisants pour entraîner le Real Madrid, Castilla, Zinedine Zidane va bientôt être fixé sur son sort. L'ancien numéro 10 des Bleus va écoper de quelques mois de suspension. Luis Suarez, quant à lui, fera son retour ce week-end pour le Clásico Real Madrid-Barça et fait état de son désarroi avec le coach des Reds et Steven Gerrard avant son départ d'Antifil pour le Camp Nou. Ce sera tout pour la Média Presse. À très bientôt. Samedi Sport sur Canal 2. Comme vous le disiez, cette enquête a été offerte par la société Point Pod à l'attention de Canal 2 et notamment Samedi Sport par le producteur, journaliste et avocat David Riss à l'attention de Samedi Sport et toute sa rédaction, bien sûr, pour les téléspectateurs que vous êtes. Comme on vous le disait tantôt, à la suite du scandale, notamment dans le football allemand, d'un jeune d'origine croate, le dénommé Ante Sapina, vous allez découvrir les dessous de la mafia dans les milieux du football. Suivez plutôt. Novembre 2009, un match de l'Europa League, la deuxième plus importante compétition de clubs au monde. Le FC Bâle accueille les Bulgares de CSKA Sofia. À la 39e minute, alors que Bâle mène 1-0, l'arbitre siffle un pénalty surprenant contre Sofia. Les spectateurs balois sont heureux, mais sur le terrain, c'est le malaise. Alexander Frey, sur qui la faute présumée a été commise, semble perplexe. La décision de l'arbitre est douteuse. Et pour cause, l'arbitre ukrainien sera suspendu à vie par l'UEFA, suspecté d'avoir reçu 50 000 euros pour influencer ce match d'Europa League. Deux semaines plus tard, une conférence de presse à Bochum en Allemagne révèle le plus grand scandale de l'histoire du football. On recense jusqu'à présent environ 200 matchs qui auraient été truqués ou qui auraient fait l'objet de tentatives d'escroquerie en Allemagne et à l'étranger. Ce sont les résultats des enquêtes menées jusqu'ici. Depuis le scandale de Bochum, pas une semaine ne se passe sans qu'éclate une nouvelle affaire de trucage. Des joueurs et des arbitres sont mis en cause sur tous les continents. Jusqu'où s'étend le cancer des matchs truqués ? Immersion dans les coulisses obscures du football, au cœur d'un poison qui menace le sport le plus populaire du monde. L'histoire récente nous montre qu'on soudoie des arbitres, des gardiens de but, qu'on soudoie des équipes entières, des propriétaires de clubs, et l'on sait que des présidents ont eux-mêmes truqué des matchs. C'est une triste histoire où le crime interfère avec le sport. Pape Omar Fay est l'un des joueurs impliqués dans le scandale de Bochum. En quelques mois, le Sénégalais est passé des stades mythiques au statut de paria du football mondial. Aujourd'hui, exclu des terrains, il vit désœuvré au Sénégal avec sa femme et sa fille. Comment en est-il arrivé là ? Le joueur se livre. Témoignage rare, il explique pourquoi il a trahi le sport qui lui a tout donné. Mon rêve, c'était de jouer au football, d'être professionnel, de gagner d'argent. Ouais. Si possible d'aller en Europe, ok.
Et mon rêve, c'était avant de jouer au football, c'était de jouer à Arsenal. Repéré dans un tournoi de rue de ce quartier, Omar Faye est invité en Suisse pour participer à des stages. Et l'histoire d'Omar commence comme un conte de fées. En ce moment, il y avait un truc trop blanc, je ne connaissais même pas avant. C'était la neige. Ouais. Moi, je me croyais que j'étais en paradis. Je suis allé à Tours, j'ai impressionné. Ils voulaient que je reste là-bas avec eux. On jouait ensemble. J'étais un des anciens et le capitaine du FC Thun. Il venait d'Afrique, il était jeune et très réservé. Il ne parlait quasiment pas. Il était très gentil, presque trop gentil. Personne ne le connaissait dans l'équipe et lui, il ne connaissait personne non plus. Ça devait pas être facile pour lui au début. Oui, je me souviens parfaitement. Pour moi, il était comme un enfant. Ce que j'appréciais vraiment chez lui en tant que personne, c'est qu'il avait envie d'apprendre et qu'il était prêt à écouter. Il n'était pas du genre à se prendre pour le plus grand. En fait, au début, c'était un élève modèle. Il a tout fait juste. Pour moi, Werner Gerber, je ne sais pas pour lui, mais pour moi, il était un papa pour moi. Parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Lorsque je suis arrivé de Thun, j'habitais chez lui. Pape Omar Faye est un footballeur prometteur. Il n'a pas encore 20 ans, mais il s'impose au FC Thun en première division suisse. Tout va bien pour lui. Il joue et il marque des buts. Sur le terrain, il est considéré comme un joueur important. En dehors, loin des vestiaires, il est apprécié pour sa gentillesse. Son rêve, sa vision, c'était qu'un jour il jouerait dans un grand club, un club de niveau mondial, et qu'il trouverait sa place dans l'équipe nationale, que tout le monde parlerait de lui, d'Omar Faye. Omar goûte au paradis. Il va rencontrer son idole et l'équipe dont il a toujours rêvé. Thun est l'invité inattendu de la phase finale de la Champions League. Et à la 87e minute, Omar foule la pelouse du mythique Highbury Park, le stade d'Arsenal. Mais la gloire est de courte durée. Le FC Thun ne parvient pas à digérer les paillettes et les millions de la Champions League. Quelques mois plus tard, le club est relégué en deuxième division suisse. L'ambiance dans le vestiaire se dégrade. Omar quitte la villa de son protecteur. Il vit désormais dans un modeste logement, à quelques pas du stade. Quand je ne m'entraînais pas, je restais tout le temps à la maison. Ouais, parce que À Thun, j'avais un autre Sénégalais qui était là-bas. Ouais, on restait à la maison, on jouait au PlayStation, des fois on jouait aux cartes. Ouais. Et aussi, on appelait tout le temps la famille, quoi. Ouais. C'était ça, les journées de la Suisse. Le salaire, c'était 4000 francs par mois brut. Ouais. Et aussi, avec les 4000, je paye l'appartement, je paye les assurances, tout. Un samedi soir d'avril 2009, les joueurs de Thun fêtent une victoire dans une discothèque. Un jeune homme apostrophe Omar. Très vite, il deviendra celui qu'il surnommera « My Friend ». Avec « My Friend », on s'est rencontrés dans une discothèque. Lui, il est venu au disco avec ses amis bosniens comme ça. Ils sont venus vers moi et il y avait d'autres joueurs. Ils m'ont dit que « Omar, on a quelque chose pour toi ». J'ai dit « Quoi ?» Ils m'ont dit « Non, ici on ne peut pas parler, donc on va se fixer un rendez-vous. »
dans un bar, on va boire un verre. J'ai dit, pourquoi pas. My Friend est un jeune croate de 20 ans qui a grandi à Berne. Il est l'homme par qui la vie d'Omar va basculer. C'est là qu'ils m'ont dit, tu sais, c'est pas difficile. Si tu veux gagner de l'argent facile, ok, pas de problème. J'ai dit, c'est quoi? Ils m'ont dit, ouais, il y a un boss qui est dedans. C'est lui, toi, tu fais rien. Toi, tu fais que de ne pas jouer à 100%, tu joues à 85% comme ça. J'ai dit, et après, ils m'ont dit, ouais, si l'équipe perd le match, tu vas gagner une somme d'argent. J'avais refusé l'offre qu'il m'avait faite. Mais lui, il me dit, ouais, tu sais, votre équipe en ce moment, ça ne fonctionne pas. Et on a des joueurs dans l'autre équipe. Et on les a déjà dit de foncer, quoi. Ils vont tout faire pour gagner. Et là, je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça. Et il m'a dit que personne ne va le savoir. Personne ne va le savoir. Ouais. Omar Fay est une proie toute désignée pour les malfaiteurs, qui s'attaquent aux joueurs les plus vulnérables plutôt qu'aux stars du football. Le fait que les joueurs qui participent à la Ligue des Champions, par exemple, ou à l'Euro, le fait que ce soit les stars dans leur pays et donc les joueurs les mieux rémunérés, et aussi ceux qui sont rémunérés de façon régulière, fait en sorte qu'ils sont beaucoup moins susceptibles d'être approchés par des gens qui vont plutôt approcher des joueurs de deuxième, troisième, voire même quatrième catégorie, sachant peut-être qu'ils soit ils n'ont pas des salaires très grands, ils sont loin de chez eux, ils n'ont pas d'amis dans le pays où ils sont, ils vont repartir l'année d'après et ils ont besoin d'argent. De tout temps, on a truqué le sport. La combine consiste à miser sans risque sur la victoire des plus faibles. C'est ce qui rapporte le plus. En 1919 déjà, la mafia a payé les stars des Chicago White Sox pour qu'ils perdent la finale du championnat américain de baseball. Les joueurs ont été démasqués. Au tribunal, le héros de l'équipe, Joe Jackson, croise le regard d'un petit garçon qui lui lance. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Joe. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Bueno, pues ahí le tienen a Luis Suárez, nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona, el fichaje estrella de la temporada 14-15. Regardez l'image gag, sans doute de cette première journée. Oh, you let me get it. I'm gonna try to stab it. Yes. Obviously, it's not deflating. This and is weirdly satisfying. And give it a bounce. It's still. Wow. What if somebody ran it over? Still be fine? It'll go flat. And then reinflate itself. And Triton, this beautiful, mature male, he saw the ball coming and he perked up. He's so ready to play. He played for over an hour and then finally laid down from exhaustion. Even after 3 days, they could not believe it. It's got huge punctures in it, but it's still bouncing and playing. Regardez cette image. On voit là Brandao, on va voir le retour de Thiago Motta. Et voilà, le nez cassé pour Thiago Motta. Let's go, man. Tsitsu. Thank you.
Marshall, RMC, BFM TV. Suivez Samedi Sport sur Canal 2 International. Pensez au rendez-vous. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Joe. Dis-moi que ce n'est pas vrai. L'augmentation actuelle des affaires de trucage est liée à l'explosion des paris sur Internet. Miser est un jeu d'enfant. Dans le monde, plus de 300 opérateurs privés le proposent. Des bookmakers modernes qui rivalisent d'ingéniosité pour attirer le parieur. Il est facile d'ouvrir un compte. Quelques informations personnelles, un peu d'argent viré d'une carte de crédit, et le tour est joué. L'Eurofoot, la Champions League et la Coupe du Monde. Mais aussi les championnats locaux du Yémen au Vietnam, en passant par la série B albanaise, tout est bon. L'offre des paris est quasi infinie. La victoire d'une équipe, le nombre de buts, de corners ou de cartons jaunes, le marqueur ou la minute d'un but. On peut parier avant le match et désormais en direct pendant la partie. Chaque année, des centaines de milliards d'euros sont ainsi joués, la moitié sur la toile, ou sans sortir de chez soi, on peut parier partout sur la planète. C'est un phénomène relativement nouveau, hein. Il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas du tout ce genre de choses. Et ça se développe dans le sens que les montants qui sont joués sont toujours plus importants. Les possibilités de jouer sont aussi toujours plus importantes. Je crois que si vous allez sur des sites de sociétés de paris en ligne, vous trouvez quasiment à n'importe quel moment un match de foot sur lequel vous pouvez parier, à un endroit, match qui se déroule à un endroit ou à un autre. On doit prendre acte de cette évolution, mais qui quelque part nous inquiète quand même un peu, parce que quand on multiplie les possibilités de paris sur des rencontres de football, on multiplie aussi les possibilités de gagner de l'argent sur ces paris sur les matchs de football, et quand les enjeux financiers commencent à être importants dans les paris en ligne, il y a évidemment le risque que certaines personnes essaient de pouvoir jouer à coup sûr en truquant des matchs. We can estimate a global... On peut estimer le revenu mondial des paris sur le sport. Les chiffres vont de 200 à 500 milliards de dollars par an, ce qui est énorme, énorme. À l'échelle planétaire, on évalue le chiffre d'affaires du marché des paris à plus de 2000 milliards d'euros chaque année. L'importance du marché des paris est devenue astronomique. Il existe désormais des sociétés dont la seule activité est de parier en ligne. Voici la société MSPP à Londres, où des traders d'un genre nouveau misent 24 heures sur 24. Ils utilisent un système mis au point par des mathématiciens visant à prévoir le déroulement des matchs au gré des probabilités. Pour ce type d'entreprise, le trucage est l'ennemi juré. Les manipulations fausse toutes les statistiques. Retour à Thun. My Friend s'y rend à nouveau en avril 2009, cette fois-ci avec son boss, Mario C., un Croate qui habite en Allemagne et qu'on surnomme Super Mario. Tous deux sont venus expliquer à Omar comment s'y prendre pour truquer un match. Il y avait un autre joueur de FC Thun qui était avec eux. On est allé dans un restaurant. Il m'a vraiment fait peur parce que... Bon... Il est venu avec deux gars qui sont aussi costauds. Et aussi la manière dont il parlait, j'avais peur, quoi. Parce qu'une fois, mon frère, il m'avait dit qu'il avait contacté un des joueurs de Thun. Le joueur, il avait refusé. Mais lui, ils lui ont dit que si tu en parles à quelqu'un, on va te bastonner. Ouais. Donc ça faisait peur. Ouais. My friend aussi avait peur. Super Mario l'avait mise en garde. Quand tu fais des fautes, tu ne joues pas seulement avec ta vie, mais avec la mienne aussi. Super Mario, nous l'avons rencontré à Nuremberg dans son bar. Hors caméra, il nous a cependant glissé que les menaces n'étaient pas nécessaires. Les joueurs venaient à lui volontairement, attirés par le seul appât du gain. Là, on a accepté et il nous a proposé une somme énorme, quoi. Ouais. Et après, c'était combien donc, c'était 7000 euros. Ouais.
Le 17 avril 2009, Thun affronte Gosao, la plus faible équipe du championnat. Pour Omar, c'est un match très spécial. Pour la première fois de sa vie, il ne jouera pas à son maximum. Pour moi, 85% c'est de ne pas trop attaquer. Parce que tous les ballons que je recevais, je donnais sur les côtés, je donnais derrière, mais je n'attaquais pas trop. Ouais. Parce que mon jeu, c'est toujours attaquer, mais je n'attaquais pas. Dans la tribune, My Friend observe le jeu. Discrètement, il échange des SMS avec Super Mario en Allemagne pour l'informer du déroulement du match. Des informations qui permettent au boss de parier en direct. Je me sentais mal durant le match. Oui, parce que quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, donc ça veut dire que tu triches. Ouais. Même durant le match, je priais pour que je sorte du match. Et le coach, il m'a sorti du match. Ouais. La partie est terminée. Gosao s'impose 4 à 3. La manipulation a réussi. Grâce à ce résultat, Super Mario et ses complices ont encaissé au moins 90 000 euros. Après le match fini, on avait perdu le match là. J'étais chez moi, il m'a appelé pour me dire « Ouais, viens chez... je vais vous donner votre argent. » Je suis allé là-bas, il nous a remis chacun 7 000 euros. Ouais. Puis je suis rentré chez moi. They will pay you. On va vous payer. On va vous payer, c'est ce qu'on vous promet si vous truquez un match. La deuxième fois, on ne vous file plus que la moitié. La troisième fois, plus rien. Et la quatrième fois, on menace votre famille. Il faudrait avertir les joueurs de ça. Ce sont des criminels. Ils ne vous font pas de cadeaux. Et une fois qu'ils vous tiennent, ils ne vous lâchent plus. Comment peut-on truquer un match? Pour passer inaperçu, l'action doit d'abord être la plus anodine possible. On trouve sur Internet un match entre un club macédonien et un club arménien. Cette partie a été considérée comme manipulée par l'UEFA. Après des mois d'investigation, l'UEFA a condamné Pobeda à 8 ans d'exclusion des compétitions internationales. Une décision confirmée par le tribunal arbitral du sport, qui constitue une première. Les internautes désignent les actions litigieuses. Par exemple, sur cette action, l'arrière latéral droit des Rouges laisse l'attaquant blanc seul au milieu du terrain. En haut de l'écran, deux défenseurs coupent le hors-jeu. Une longue passe permet à l'attaquant de se présenter seul face au gardien. Inattention ou négligence volontaire. Le doute est permis. À noter également que le gardien frôle le ballon sans le dévier. Pour le deuxième but, le même attaquant est libre de tout mouvement au milieu de la défense. Il parvient à glisser le ballon à son coéquipier, qui bénéficie de la passivité du défenseur central. Quant au gardien, il manque sa sortie. Sur la troisième réussite suspecte, le ballon revient dans les pieds de l'attaquant, oublié derrière quatre adversaires. Un défenseur coupe le hors-jeu, les rouges ne réagissent pas, ce qui permet à l'attaquant de centrer pour son coéquipier, totalement esselé. Ces scènes insinuent le doute, sans jamais constituer de preuves irréfutables, car en sport, l'erreur est toujours possible. Pour démontrer un trucage, il faut qu'un joueur avoue. Est-ce qu'on le remarque sur le terrain quand il y en a un qui truque? Je ne crois pas. Un attaquant peut très bien tirer à côté, par exemple, ou viser le gardien de but. Et un défenseur peut provoquer un pénalty volontairement. Je pense que si on ne le sait pas, on ne le remarque pas. Omar est pris au piège. My Friend ne lâche plus sa proie. En fait, on gardait le contact avec lui tout le temps. On s'appelait. Jusqu'à même, on est devenus des amis. Après, il m'avait proposé un autre match aussi. Lui, il me disait, ouais, le match là, tu pars ou bien tu fais ou bien tu fais pas, vous allez perdre le match parce que votre équipe en ce moment n'est pas en forme. Bon, c'est là que je me suis dit, bon, peut-être. Si je gagne l'argent et personne ne va savoir, pourquoi pas. Omar participe à un deuxième trucage. Il touche à nouveau 7 000 euros après la défaite de Thun à Yverdon par 5 à 1.
Un score qui permet à Super Mario et à ses complices d'empocher au moins 60 000 euros. Au même moment, à Bochum en Allemagne, un homme s'apprête à livrer les secrets de son enquête et comment il a découvert le poteau rose. Vers la fin 2008, nous menions une enquête dans le milieu de la prostitution organisée. Dans le cadre de nos recherches, nous avons eu des soupçons que les criminels actifs dans ce milieu avaient soudainement acheté des actions d'un club de deuxième division belge, et puis ils ont essayé d'y transférer des joueurs. À partir de là, nous avons eu des soupçons de manipulation de match. Après une longue enquête dans le milieu du grand banditisme, pour la première fois, le commissaire Friedhelm Halthans dévoile tous les rouages de l'organisation. Au total, comme l'indiquent ces statistiques, nous avons recensé plus de 320 matchs touchés dans toute l'Europe. Parmi les rencontres internationales, nous trouvons des matchs de compétition européenne comme la Champions League et l'Europa League, mais également des matchs de qualification entre équipes nationales. Quand la police allemande nous a alertés, on est tombé de nos chaises. On était surpris de l'amplitude de cette problématique, du fait que ça recouvrait presque 200 matchs dans plusieurs fédérations nationales européennes. Mais ce qui montre aussi qu'aucun pays en Europe ne peut dire « ça ne me concerne pas ». À la tête de cette organisation, Super Mario, le boss de My Friend, ainsi qu'une vieille connaissance de la justice allemande, Ante Sapina, célèbre depuis 2005, pour avoir corrompu un arbitre allemand. Autour d'eux s'est développée une organisation d'une cinquantaine de personnes. Celle-ci était active dans une vingtaine de pays. Leur rôle était d'entrer en contact avec le niveau inférieur, les personnes qui exécutent. Autrement dit, avec les joueurs, les arbitres et les officiels prêts à participer à des trucages de matchs. Comment l'organisation plaçait-elle ses paris? Voici le schéma reconstitué. Ante Sapina et Super Mario, les cerveaux, sont au centre de l'organisation. Ils sont basés en Allemagne. Ils ont des hommes de confiance dans une quinzaine de pays en Europe. Ces lieutenants sont chargés de corrompre des joueurs et des arbitres. En Suisse, les cerveaux avaient deux lieutenants. L'un d'eux était My Friend, qui a approché Omar. Super Mario et Ante Sapina sont aussi entourés d'une galaxie de parieurs complices, chargés de miser des petites sommes pour ne pas éveiller l'attention. Ils utilisent Internet, des bureaux de paris ou des tripots clandestins. Les risques pris par Sapina et Super Mario sont grands. Alors pour les rentabiliser, les deux cerveaux s'appuient sur des bookmakers complices à Londres, en Hollande et plus loin encore, l'organisation Paris en Asie. Elle utilise deux des plus gros opérateurs de Paris au monde, sans limite au niveau des mises et des gains. Les ordres sont passés par Skype, MSN ou même par téléphone, ce qui laisse peu de traces. L'enquête allemande a aussi révélé que Super Mario et Ante Sapina avaient des liens avec les mafias du sud-est asiatique. Les triades profitaient aussi des matchs arrangés en Europe. En échange, elles auraient contribué au financement de certains trucages. En Asie, le maître incontesté de l'organisation est singapourien. Son nom de code est Dan. Aujourd'hui, il est recherché par Interpol. Nous pouvons donc démontrer, avec preuve à l'appui, que le clan a réalisé environ 5 millions d'euros nets de gains grâce à ses paris. Quant au montant total nécessaire à corrompre les joueurs, les arbitres et les officiels, nous pouvons le prouver à hauteur de 1,75 million d'euros.
Il importe d'ajouter que les chiffres effectifs sont très probablement nettement plus élevés. Les truqueurs ont gagné leur pari. Ne reste plus qu'à récupérer les gains. L'opération s'apparente à un vrai jeu de cache-cache planétaire. Les bookmakers versent l'argent à la galaxie des parieurs complices sur les comptes internet ou en cash dans les bureaux. À leur tour, les complices remontent une partie des gains au chef. En Asie aussi, les opérateurs payent les parieurs, mais les sommes sont beaucoup plus importantes. Il y a trois groupes de bénéficiaires, les triades, les bookmakers complices et enfin les chefs de l'organisation Sapina. L'enquête de Borum a mis en évidence que l'argent transitait de compte en compte, de société en société, de Hong Kong en Europe, en passant par les îles Vierges. C'est en Autriche, souvent à Graz, que l'argent réapparaissait, en cash. Il était ensuite convoyé, parfois dans des mallettes, principalement en Allemagne. Une partie de ces billets a servi à payer les lieutenants et les joueurs comme Omar Faye. Ainsi, l'action de football sur le terrain de Gossau a fait le tour de la planète jusqu'à Singapour, d'où on a suivi et téléguidé le geste du joueur. On a pris conscience vraiment que c'est une problématique qui va au-delà de l'aspect purement sportif, qu'il s'agit de criminalité. Nous, on était habitués de traiter de cas de carton jaune, carton rouge, des accidents éventuellement encore de supporters. Mais là, on a affaire à la criminalité. La police a sonné vers 8 heures le matin. Ils m'ont dit que ce n'est pas pour ma faille. J'ai répondu ouais. Ils ont commencé à me poser des questions. Est-ce que tu connais les matchs truqués? J'ai dit non. Ils m'ont dit, tu sais que tu es cité, que tu étais impliqué dans les matchs truqués. C'est vrai ou pas? J'ai dit oui. Parce que moi aussi, je voulais que tout ça s'arrête. Ouais. Parce que j'étais dedans, le truc-là, et j'avais peur que ça se répercute avec ma famille, tout ça. La police suisse arrête aussi My Friend. Interrogé, celui-ci se met à table. Il dénonce Omar et les autres joueurs impliqués. Après l'interrogatoire, Omar se confie à Andrés Gerber, qui est à ce moment-là à la fois capitaine et directeur sportif de Thun. La rencontre a lieu dans le vestiaire. Je me souviens qu'il disait avoir été à la police, qu'il avait parié ou joué contre nous et qu'il avait vraiment mauvaise conscience. Jamais je ne l'aurais cru capable d'une chose pareille. J'étais vraiment déçu. D'un autre côté, je pouvais comprendre, parce que je savais qu'il n'avait pas d'argent. Il venait du Sénégal, sa famille était pauvre. Quelque part, c'est aussi une victime, pas juste un criminel. Mais en tant que coéquipier, la déception était très forte, car j'étais directement affecté. J'aurais préféré gagner les matchs et toucher des primes. Mais à cause de lui, l'ambiance dans l'équipe, on a aussi pris un coup. Il n'était pas du genre à faire ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai été très surpris et très déçu. Moi, je savais qu'ils allaient être fâchés contre moi. Mais moi, j'étais fâché contre moi-même. Ouais. Parce que pour moi aussi, j'avais tout foutu en l'air. Je suis rentré, mais je ne pouvais pas rester à la maison. Je suis allé à côté de l'eau pour réfléchir à qu'est-ce qui va m'arriver. Et
Dans le cadre de cette affaire, le FC Thun a suspendu son joueur Papo Marfaï pour le huitième de finale de la Coupe de Suisse qu'il oppose au FC Winterthur. Le FC Thun entre sur la pelouse du stade de Winterthur. Un joueur manque à l'appel. L'attaquant sénégalais Papo Marfaï, que l'on soupçonne d'être impliqué dans le scandale des paris truqués. Omar a été licencié par son club. Sans logement et sans revenu, il est contraint de rentrer au Sénégal. Pour le joueur, c'est un retour à la case départ. Trois mois plus tard, la sanction sportive tombe. L'Association suisse de football sanctionne 9 joueurs impliqués dans l'affaire de Bochum. Papa Marfaï a été suspendu pour une durée indéterminée parce qu'il était impliqué à plusieurs reprises dans le trucage de matchs du FC Thun. Lorsqu'on est les premiers à prendre une décision et que beaucoup d'autres devront faire de même en s'y référant, on se retrouve face à de nombreux problèmes. Nous nous sommes donc référés au cas de dopage en ce qui concerne l'application des peines, parce que nous sommes convaincus qu'au final, le problème est plus ou moins similaire. Dans les deux cas, on truque le résultat d'un événement sportif, que ce soit avec l'aide de substances chimiques interdites ou en ne jouant pas comme on devrait le faire parce qu'on a reçu de l'argent. La sanction est radicale et elle interpelle. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi un Papa Marfaï a été sanctionné aussi sévèrement. Ça n'est pas correct. Quelqu'un qui exerce un métier normal, on ne va pas lui interdire de travailler toute sa vie juste parce qu'il a commis une erreur. On ne peut pas l'empêcher de travailler pour 20 ou 30 ans à cause d'une faute. Papa Omar Faye n'a rien appris d'autre. Jouer au football, c'est tout ce qu'il sait faire. Le trucage de match, ça affecte l'intégrité, ça affecte l'âme même du football, donc on doit être très sévère. Il faut que le message soit clair vis-à-vis de tous ceux qui seraient tentés de truquer un match, qui pensent, oui, de toute façon, il n'y a rien qui va se passer. Mais ceux qui seront chopés, ben, ils n'ont rien à voir dans le football, ils n'ont rien à faire dans le football, et il faut qu'ils soient exclus du football. Loin de Suisse, Omar ne s'est pas présenté devant ses juges. Pour lui, la sanction est une surprise. C'est mon frère même qui m'a dit, Omar, tu as vu l'Internet? Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, ils ont écrit que tu étais suspendu. Je lui ai dit, ah bon? L'affaire de Bochum a secoué le football européen. Face à la menace de la criminalité organisée, l'UEFA décide de réagir. À l'interne de l'UEFA, on a mis en place un nouveau système de monitoring. Donc aujourd'hui, on monitore 29 000 matchs par an. Tous les matchs des compétitions de l'UEFA, c'est environ 1800 matchs. Et tous les matchs des premières et deuxièmes divisions de toutes les ligues européennes. Cette impressionnante œuvre de contrôle planétaire s'effectue discrètement, depuis ici. Rendez-vous au sein de la très secrète société Sport Radar. Regardez le match à Malte. Il y a un immense mouvement. Faut demander à notre correspondant ce qu'il en dit. Actuellement, nous gardons un œil attentif sur plusieurs parties, notamment les matchs de deux ligues en Europe. Deux de ces matchs sont presque terminés d'ailleurs.
Les mouvements de paris d'avant-match étaient suffisamment particuliers pour éveiller nos soupçons. Il y a eu d'énormes paris avant le match. Donc, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui s'en est mis plein les poches. Notre problème est maintenant d'essayer de déterminer si ces mouvements étaient légitimes, s'il y a eu un élément imprévu et significatif dans l'équipe sur place, comme une blessure de dernière minute, ou si les gars ont fixé le match. Nous surveillons systématiquement l'évolution des cotes offertes par plus de 300 bookmakers. Cela signifie que, grâce à notre système de détection des fraudes, nous pouvons examiner plus de 6000 paris différents par match. Ensuite, si des irrégularités sont constatées, elles sont analysées et évaluées par notre équipe de 25 experts du secteur des paris. Sport Radar base son système de contrôle sur la cote, le chiffre qui indique par combien votre argent est multiplié en cas de pari gagnant. Comme un gendarme de la bourse, nous surveillons ce qui se passe sur le marché mondial des paris. Concrètement, nous comparons les cotes réelles sur le marché avec celles qui, statistiquement, devraient être offertes. Voici comment Sport Radar repère un match suspect. La courbe supérieure présente l'évolution d'une cote théorique normale. La courbe inférieure est celle de la cote moyenne effective offerte par les bookmakers. À la 45e minute, cette cote s'effondre. C'est l'indice important d'une activité irrégulière des parieurs. En baissant leur offre vers zéro, les sociétés de paris indiquent qu'elles n'ont plus confiance dans le déroulement correct du match. Il faut nous voir comme un système de détection des incendies. Pour utiliser une image, nous repérons d'où vient la fumée. Nous voyons où, dans quel match et sur quel marché une manipulation est potentiellement possible. Donc, dès qu'il y a un mouvement suspect, on le sait. Si quelqu'un parie dans n'importe quel pays d'Europe ou du monde une somme sur un match qui est anormal, on le sait. Maintenant, ça c'est un signe seulement. Ce n'est pas encore une preuve. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on transmet l'information aux fédérations nationales et aux polices locales suivant dans les pays où les fêtes se produisent. Une fois alerté par l'UEFA, c'est aux fédérations et aux polices nationales d'enquêter et de prouver qu'un match a été effectivement truqué. Le problème principal dans ce type d'enquête, c'est qu'il faut évidemment prendre en compte les différentes législations européennes. Les lois ne sont pas les mêmes dans tous les pays concernés. Il est nécessaire et urgent d'harmoniser les lois entre les différents pays d'Europe. Ce n'est qu'en procédant uniformément au niveau de la police et sur le plan juridique qu'on pourra au mieux combattre cette forme de criminalité. Mais là, c'est la politique qui doit intervenir. L'autre défi qui préoccupe est la régulation des paris sportifs. Les sociétés de paris font désormais partie du monde du football. Les plus importantes sponsorisent les plus grands clubs du monde. Certains clubs profitent de relations commerciales avec des sociétés de paris en ligne, hein, qui sont leurs sponsors. Des associations nationales peuvent aussi éventuellement développer ce genre d'activité, même si ce n'est pas forcément ce que nous souhaitons. D'un autre point de vue, le développement des paris en ligne peut aussi ajouter à la notoriété du football. Mais de ce point de vue-là, je crois que de toute façon, les compétitions organisées par l'UEFA, chacun les connaît. Toujours est-il que la manne bienvenue des paris complique toute tentative de régulation. Dès lors, quelles règles et quelles autorités pourraient les appliquer? On ne trouve pas normal qu'on puisse parier sans problème en Asie sur un match de deuxième division européenne, mais c'est la réalité. Si le marché mondial des paris devrait être plus réglementé? Oui. À mon avis, oui. Mais qui va se charger de le réglementer? Les Nations Unies? Qui d'autre? Qui va aller dire à une entreprise privée à Manille ce qu'elle doit faire? Je ne sais pas. Cela aide, bien sûr, que les bookmakers limitent la possibilité pour les criminels de s'enfuir avec l'argent sans laisser de traces. Cela aide. Mais ne soyons pas naïfs. Ces gars ne parient de toute manière plus en Europe.
Ce n'est pas en Europe qu'ils peuvent parier $1 million sur un match de foot, mais en Asie. C'est en Asie qu'on retrouve Omar Faye. Malgré la suspension prononcée en Suisse, le joueur intègre une équipe au Vietnam. Il brille, il marque et ses exploits circulent sur Internet. L'association suisse de football le repère et demande à la FIFA d'élargir son exclusion au niveau mondial. Voici le fax qu'Omar reçoit au Vietnam. Il l'oblige à quitter définitivement les terrains. J'étais même capitaine de l'équipe du Vietnam là. Ils ont essayé de tout faire. Ils ont même écrit une lettre à la FIFA. Mais la FIFA n'a pas répondu. Bon. C'est là que j'ai pris mes bagages pour rentrer au Sénégal. Venez manger. Venez manger. Maintenant, je reste avec la famille. L'après-midi, je pars jouer avec mes amis. Ouais, tous les jours, quoi. Je joue avec mes amis. Parce que moi, quand je cours ou bien quand je joue, je pense pas beaucoup. Omar ne veut pas croire qu'il ne pourra plus jamais rejouer. Il espère encore pouvoir déposer un recours auprès de la FIFA. Pour cela, il cherche l'aide d'un avocat en Suisse. Ah, bonjour, monsieur. C'est pas pour moi fait depuis Sénégal. Oui, bonjour, monsieur. Le président de l'équipe et moi, on avait écrit une lettre à la FIFA, mais ils n'ont pas répondu. Vous avez écrit à la FIFA cette lettre? Oui, une lettre, oui. Est-ce que vous devez payer l'avance des frais? Non, on n'a rien payé en ce moment. Lecture de la décision. Oui. Pourrait avoir des problèmes de délai. Oui. Mais, problème de délai. Mais c'est quand la délai exact? FIFA, c'est 3 jours. Ah, c'était 3 jours? Parce que même moi, je ne savais pas que le délai, c'était 3 jours. Moi, je ne le savais pas. Oui, c'est vrai, c'est écrit dans les règlements de la FIFA. C'est pas sur le... Pas sur le document, c'est toujours le même. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça impliquerait aussi des coûts pour vous. Oui. Il y aurait les frais d'avocat, une procédure au TAS, oui. 20 000 francs suisses, 15 20 000 francs suisses, oui. Pour une procédure complète. Oui. Puis la procédure devant le tribunal arbitral du sport n'est pas gratuite. Oui. Il faut en plus payer l'avocat, oui. Pour faire vous redéfendre, 15 20 000 francs suisses. Oui. Il faut payer le tribunal arbitral du sport. Oui. Qui coûte à peu près le même prix, hein. Avec le risque de perdre cet argent si la procédure n'est pas ouverte. Ouais. Après plus d'une année et demie de procédure, il a compris. Il a compris cette gravité et il a surtout compris qu'il ne jouerait plus au football. Peut-être qu'il y a une question culturelle à la base de tout ça. Il l'explique assez facilement. Ça ne lui est jamais venu à l'esprit de se défendre au moment où il a été convoqué par l'Association suisse de football. À aucun moment, il ne s'est dit « Tiens, je dois aller m'expliquer devant mes juges, je dois aller expliquer les circonstances de mon acte, je dois aller faire valoir peut-être mes droits. » Pour lui, probablement, c'était la meilleure manière de faire, c'est-à-dire de continuer sa vie, de partir faire des tests en Chine, de se faire engager dans un club au Vietnam. Je crois tout simplement que personne n'était là non plus pour lui dire « il faut te défendre, il faut aller t'expliquer ». Et c'est très probablement ce qui explique sa situation actuelle. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. À la sanction sportive s'ajoute une condamnation pénale. Le procureur fédéral en charge du volet suisse de l'affaire de Borum prononce sa sentence. Nous allons soutenir l'accusation et nous avons
rendu des ordonnances pénales avec la conviction qu'il s'agit là d'escroquerie, pour faire passer le message aux joueurs que ce n'est pas un gentleman's delict, que ce n'est pas juste une broutille, que de truquer un petit match comme ça en deuxième ligue, non, qu'il y a des enjeux qui correspondent à une escroquerie du droit commun. C'est-à-dire quelque chose que tout un chacun sait qu'en principe, c'est défendu. Omar est condamné à verser une somme totale de plus de 15 000 francs suisses, somme qui correspond à l'argent reçu de My Friend. Et du côté des instigateurs, le procès se déroule à Borum en 2011, à la barre Super Mario et Ante Sapina. Lors du procès à Borum, au mois de mai, l'élément principal de l'accusation a été l'escroquerie en bande et par métier, en rapport avec plus de 50 matchs de football manipulés. Un jugement a été prononcé. Les deux principaux accusés, Ante S et Mario C, ont chacun été condamnés à 5 ans et demi de prison. Les deux chefs, libérés sous caution, ont recouru contre le verdict. Quand on parle de paris dans le sport, et plus particulièrement de trucage dans le football, il faut dire une chose. Les cas mis à jour à Borum sont certes des cas classiques, mais au vu des moyens financiers engagés, ils n'entrent pas dans le haut du classement des opérations existantes. Par le travail que nous réalisons quotidiennement pour l'UEFA, nous constatons que les sommes engagées dans le trucage de matchs sont beaucoup plus élevées qu'à Borum. Il s'agit de criminalité organisée à l'échelle internationale, qui ici a trouvé un moyen de blanchir de l'argent, respectivement d'investir des sommes astronomiques et d'empocher des bénéfices juteux en manipulant le sport. Borum n'a pas éteint la vague des scandales. Au contraire, depuis 2009, les affaires se succèdent. Selon le syndicat international des joueurs, plus d'un professionnel sur 10 avoue avoir été approché par des truqueurs. Le public peut-il encore croire à ce qu'il voit ? Les coupes européennes, l'Eurofoot, les grandes compétitions sont-elles en danger ? Je suis sûr qu'aucun match de l'Euro, de la phase finale de l'Euro, ne puisse être truqué comme je suis sûr qu'aucun match de la Ligue des Champions ou de l'Europa League puisse être truqué pour la simple et bonne raison que ces matchs sont tellement vus, tellement publicisés. Il y a les yeux du monde entier qui regardent ces matchs-là. Donc, c'est clair que pour manipuler les matchs, les réseaux criminels, ils vont essayer d'aller sur des matchs qui ne sont pas visibles, qui ne sont même pas montrés à la télévision pour avoir le moins de preuves et le moins de complications possibles. Ces manipulations mettent en danger l'avenir du football. Si ces pratiques finissent par être la norme, le football n'aura plus rien de crédible. Et sans crédibilité, si les résultats sont sans cesse remis en doute, il y aura des conséquences. Les sponsors fuiront, comme finiront par le faire les détenteurs de droits de télévision et les spectateurs. Plus grand monde ne s'intéressera encore à des matchs truqués, ça c'est sûr. Le public de ce Bal Sofia a été trahi par ce pénalty litigieux. Ce match est l'un des nombreux manipulés par la bande Sapina, au détriment même des joueurs, mais surtout des spectateurs de tous les stades qui n'ont pas vu ce qui se tramait dans les coulisses de leur passion. Le cancer des manipulations ronge le foot et il a déjà emporté les plus vulnérables. Moi, je sais que je joue au football. Je ne fais rien d'autre. Toute ma vie, c'est le football. Je ne peux pas m'imaginer que je vais arrêter pour la vie le football. Peut-être c'est de me tuer, quoi.
Sport et Canal 2. Vous êtes sans doute tombé des nues à la suite de cette enquête, avec tout ce que vous avez découvert. Ainsi donc, on va vous proposer un dernier entretien que nous avons récemment eu avec un ex-international camerounais, le dénommé Serge Blanco, qui nous a fait part d'une véritable confession, notamment de son expérience avec les Lions Indomptables du côté de Sydney, concernant Ante Sapina. Il va nous faire part également de son vécu avec Ante Sapina, car le concerné Serge Blanco a côtoyé longuement Ante Sapina. Il va vous dire pourquoi et comment. Suivez-le plutôt. Ante Sapina, je l'ai connu comme un coéquipier dans le football. C'est dans les années 97 quand j'ai joué au Croatia Berlin, parce qu'il faut rappeler qu'Ante Sapina est d'origine croate, je crois né en Allemagne, à Berlin, et que la communauté croate en Allemagne, ils ont, à Berlin, ils ont une équipe de football qui jouait en l'équivalent de la 4e, 5e division. Alors quand je suis arrivé en Allemagne, j'avais été prêté dans ce club pour un an par un ami à mon entraîneur, Félix Magat, qui était un ancien international yougoslave dans les années 70 qui entraînait cette équipe croate. Donc j'ai joué un an dans cette équipe et Ante Sapina a été mon coéquipier. Ante Sapina, c'était un jeune, vous savez, les Croates, c'est des jeunes qui aiment beaucoup la vie. Les jeunes Croates, ils aiment la boîte de nuit, ils aiment être beaux, mettre des habits Gucci, Louis Vuitton. Les Croates, c'est des gens qui aiment, c'est des gens très viveurs, quoi, je peux dire. Donc il était comme ceux-là. Mais lui, il avait une particularité que je crois son grand frère ou son oncle était propriétaire de casinos et de boîtes de nuit à Berlin. Donc ce qui faisait que parfois on se retrouvait dans des fêtes après des matchs et on avait des entrées dans les boîtes de nuit appartenant à sa famille. Donc c'était déjà un jeune de 17-18 ans, mais qui était déjà dans une famille qui était déjà dans le milieu des affaires. Bon, mais là, le milieu des affaires, aller voir la mafia, je ne sais pas comment on dit, mais quelqu'un qui possède des casinos, des boîtes de nuit, la mafia n'est pas très loin, quoi. Ça fait 18 ans que je vis en Allemagne, mais à ce moment, je jouais en Pologne. Donc j'ai lu les journaux et j'avais lu que Ante Sapina était la tête tournante de tout ce trafic. J'ai vécu avec lui une saison. Après, je suis parti, donc on n'avait plus trop de contacts. J'ai fait ma carrière dans toute l'Allemagne. J'avais plus de contacts avec lui. Et donc, quand j'ai lu ça dans les journaux, j'étais bouleversé parce que c'est un ancien coéquipier quand même qui était passé de l'autre côté, dans les affaires, dans la mafia. Et quand j'ai vu tout ce qu'il faisait, les matchs qu'il achetait, les trucages, et tous les millions qu'il braquait, ça ne m'a pas surpris du tout parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, venant d'une famille possédant des casinos et des boîtes de nuit, j'étais pas tellement surpris. C'est possible, je ne pourrais pas le confirmer parce que je ne fais pas partie du milieu, mais déjà en le voyant tout seul, avec tous les gens qui l'entouraient, au moment où je jouais avec lui, que ce soit ses frères et ses oncles, qui étaient propriétaires des casinos et boîtes de nuit, je ne pense pas qu'il ait pu créer tout ce scandale, il ait pu acheter tous ces matchs tout seul. Sûrement, il était accompagné par des gens et l'enquête a dû le prouver en Allemagne qu'il y avait beaucoup de connivence au niveau mondial, et même en Yougoslavie, même en Croatie, en Asie. Donc, on a arrêté Ante Sapina, il a été condamné, mais je crois que c'est un maillon dans toute une organisation. Très bien. Oui, je l'ai reconnu parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été dit dans le football camerounais ou au Cameroun. Bon, maintenant que je suis pratiquement en fin de carrière et que je ne réclame rien, je peux le dire ouvertement qu'on avait été approché à Sydney avant le quart de finale contre le Brésil. Des parieurs malaisiens, indonésiens qui voulaient acheter le match. Il voulait qu'on vende des matchs, qu'on vende le match, qu'on pète le match contre le Brésil. Lui, on était un nombre de 5 ou 6. Je ne vais pas citer des noms, mais les concernés s'y reconnaîtront. C'était les joueurs qui étaient les cadres de l'équipe à Sydney 2000.
Et j'espère qu'ils pourront confirmer ce que je vous dis, parce qu'on avait été reçus quelques jours avant le match contre le Brésil, dans un hôtel luxueux, pas loin de là où on était logé à Sydney. Et on avait été abordé par des messieurs qui nous avaient dit qu'ils voulaient nous parler de sponsoring dans le football africain, et que le Cameroun était très en forme à ces Jeux Olympiques, et qu'ils nous avaient remarqué qu'ils voulaient nous proposer des contrats sponsoring. On a dit OK. Ils nous ont donné rendez-vous dans un hôtel, je crois que c'était bien Novotel ou Sofitel, Sydney, qui n'était pas loin de là où on logeait. Et on est arrivé, s'entendant à parler de sponsoring, et ils nous ont fait monter à, je crois que c'était au 56e étage. Et on a attendu une demi-heure, et puis ils nous ont fait entrer dans une autre salle, qui était une salle bizarre, parce que là où on était assis, on voyait un mur, et puis subitement, le mur s'est ouvert, on est entré dans une autre salle. Et puis on a trouvé des grands très costauds, en veste, avec les lunettes de soleil, qui avaient des têtes rasées, ils étaient 3-4. Menacés, tout de suite, on a eu un peu peur. Moi, je vais dire, on a pris peur, parce que le changement de salle, comme ça, d'un coup. Bon, on s'est toujours dit, non, on est en train d'aller au quart de finale, on est Lyon indomptable, on va nous donner des contrats. C'est la une fois que le monsieur qui nous a fait entrer dans la salle nous a expliqué que, bon, il y a un monsieur qui va venir vous voir tout à l'heure, et il voudrait vous proposer quelque chose de très, très intéressant. On lui a dit quoi? C'est un contrat? C'est quelle société? Il a dit non, nous sommes des parieurs. On parie en Malaisie, en Indonésie, dans toute l'Asie, en Thaïlande, un peu partout. Et alors, on voudrait que vous nous aidiez à gagner de l'argent. Et vous en gagnerez aussi. Un peu, c'est comme ça qu'il a commencé le discours. Mais nous, comme on ne comprenait pas, on lui a dit exactement, vous voulez quoi? Il nous a dit, au fur et à mesure que la conversation avançait, il a dit, attendez, le boss, il va arriver. Et alors, ça a pris 2 minutes pour que le boss arrive. Et là où j'ai eu vraiment peur, là où on a pris peur, c'est quand le monsieur il est entré, accompagné de 2 gardes du corps. Il n'avait pas de pied, il n'avait pas de main. Donc c'est un monsieur qui avait les 2 pieds coupés et qui avait les 2 mains coupées. Il était assis sur une chaise en face de nous. Et ces gardes du corps, ils étaient au milieu. Alors il nous a dit en anglais, et comme je comprenais bien anglais, certains de mes coéquipiers ne comprenaient pas. Il nous a dit... Je voudrais que vous perdiez le match contre le Brésil. Parce que le Brésil, ils sont favoris. De toute façon, vous allez perdre. Mais la singularité, c'est qu'on voudrait que vous perdiez par 2-1. On lui a dit, mais pourquoi vous ne donnez pas l'argent pour qu'on gagne le match? Nous, on veut gagner. Il a dit non. Dans tous les pronostics, vous êtes perdant. Donc, on va parier sur vous. Mais si on parie sur le bon résultat, on gagnera beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait qu'on va vous donner... $600,000, vous êtes 6, $100,000 chacun, pour que vous payiez ce match contre le Brésil. On a dit pourquoi nous? Il a dit on a regardé vos matchs, on a vu que vous êtes les 6 joueurs essentiels dans l'équipe. Donc si vous levez le pied et arrangez-vous à ce que le score soit 2-1, on vous donne $300,000 tout de suite. Et $300,000 après le match, vous nous retrouvez ici. Est-ce que vous êtes d'accord? On a dit franchement, on ne sait pas, on ne peut pas vous dire tout de suite, parce que déjà on avait peur. On ne pouvait pas lui dire non. Parce que dire non à quelqu'un comme ça, on se dit, ils sont armés. Déjà, un mec qui n'a pas les pieds ni les mains, et 4 gorilles avec les crânes rasés, les lunettes de soleil, ben, on a pris peur. On s'est dit, on s'est regardé, et puis on a dit, on va causer. Et on nous a donné 2 minutes, on a causé. Entre nous, on a dit, d'autres déjà tout de suite disaient que non, gars, on ne peut pas. D'autres qui disaient que non, il faut qu'on y réfléchisse. On est revenu vers lui, on a dit, OK, on va réfléchir. Comme le match c'est dans 3 jours, on se retrouve demain ici. Donc c'était comme ça. Et on est reparti à l'hôtel. Dans une chambre d'hôtel, on s'est assis, les 6 concernés. On a trouvé qu'on ne pouvait pas le faire. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas favoris. C'est vrai que le Brésil, avec le Ronaldinho, Lucas, ils avaient des meilleurs joueurs, Lucio et tout ça. Et moi, c'était la première fois, et dans ma carrière, et dans ma vie de sportif, de footballeur, que je sois approché de cette façon. Franchement, non. C'est à partir de ce moment-là, j'ai été un peu plus éveillé à l'avenir, à la suite de ma carrière, où j'ai joué en Allemagne et en Russie, partout. Mais avant cette approche-là, je n'avais jamais été au courant de quoi que ce soit, match truqué, match acheté. Mais c'est une réalité puisque j'en ai vécu, puisqu'ils nous ont approchés, puisqu'on les a vus en face, puisqu'ils nous ont proposé de l'argent. Mais on a pris peur. Et le lendemain, on n'est pas revenu, on a décliné la proposition. Et on a joué sur le terrain, on a gagné.
conseil que je donnerais, c'est qu'il faut jouer sur ses qualités. Une situation comme celle-là, ça n'a plus rien à voir avec le sportif. Déjà, ça devient. On s'est dit que si on était revenu le lendemain, il leur dit non, il pourrait nous tuer, il pourrait tirer sur nous. Ou alors, même quand on a dit, on a décidé de ne pas revenir, on avait la peur au ventre. Quand on allait à l'entraînement, jusqu'au jour du match, et on regardait à gauche, à droite quand on se baladait partout. Et même après le match, moi je vous dis, après le match du Brésil, les Jeux Olympiques pour moi étaient différents. Parce qu'on se disait toujours que, bon, heureusement qu'on a changé de ville. On a joué, je crois, les quarts de finale à Brisbane, où nous ont approchés. Et on a joué les demi-finales contre le Chili à Melbourne. Et la finale à Sydney. Donc c'est quand on a quitté Brisbane, quand l'avion il a décollé, et on a atterri à Melbourne pour le demi-finale contre le Chili, c'est là où j'ai un peu respiré. Parce que je me disais, ah, peut-être qu'ils nous suivent, peut-être qu'ils savent qu'on a refusé, peut-être qu'ils ont perdu le pari à cause de nous. Donc j'avais peur. J'avais peur et après, bon, on s'est retrouvé à Melbourne. Jusqu'à là, je ne dormais pas sans me dire, ah, peut-être qu'ils peuvent venir nous suivre là où on est, ils peuvent nous suivre à Sydney. Donc c'est vraiment quelque chose de pas gai. Et ceux qui trempent dedans, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour prendre de l'argent et jouer et lever le pied. Donc moi, je conseillerais aux jeunes d'aujourd'hui de jouer sur leur qualité, de jouer. Soit du courage, naïf. Du courage parce qu'il y a de la peur. Et quelqu'un qui a peur, il faut qu'il soit beaucoup courageux pour jouer avec la peur. Savoir que j'ai pris 100 000 dollars et que je suis en train de lever le pied au cours d'un match et que des jours, il joue à 100 à l'heure et que moi, je joue à 50 à l'heure. Je trouve que pour un footballeur de haut niveau, un footballeur qui on était prédestiné à être champion olympique si on avait pris cet argent. Il nous manquerait une médaille d'or aujourd'hui dans le football camerounais et nous-mêmes, ça a changé notre carrière. Et après ça, j'ai gagné 10 fois 600 000 dollars, 10 fois, 100 fois plus que ce qu'il m'avait proposé. Parce que j'ai dit non et que j'ai gagné la médaille d'or. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas l'accepter. Parce qu'une fois qu'on l'a accepté, je crois qu'on est obligé de continuer. Et qu'ils reviendront toujours et le jour où tu diras non, tu pourras mettre ta vie en péril. Bonjour, je suis Mourad Doutelal, je suis président du rugby club Toulonnais. Suivez Samedi Sport sur Canal 2 International. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Comment ça a été en fait la rencontre avec Omar? La rencontre avec lui a été très très émotionnelle parce que Papa Marseille, je l'ai rencontré au moment où il avait tout perdu. Il espérait encore pouvoir faire un recours à la FIFA pour essayer de lever sa suspension. Et en fait, quand on l'a rencontré, quand on a filmé, il a appris qu'il n'y avait plus de voie de recours et qu'il était suspendu à vie, qu'il avait perdu son travail. Pour toute sa vie. Mais Patrick, justement, la question est de savoir, toi qui as été au vif de ce sujet dans la corruption, dans le foot, comment sens-tu cette réalité-là? Est-ce véritablement un aspect très négatif qui existe actuellement dans le foot? Alors, la réalité des manipulations de matchs n'existe pas seulement dans le foot, mais il est clair que c'est dans le foot qu'il y a un intérêt le plus grand. Il y a énormément de paris qui sont posés sur les matchs de foot de tous les niveaux, de tous les pays. Et puis, c'est là que les malfaiteurs peuvent truquer des compétitions, corrompre des joueurs, des arbitres ou des entraîneurs pour se faire un maximum d'argent. Parce que c'est dans les petites compétitions, celles qu'on ne voit pas à la télé, comme la Ligue des Champions, qu'il est plus intéressant de travailler parce que personne ne remarquera. Ou même si on remarque, on va se dire que c'est pas très important. Et les autorités du football ont beaucoup de peine à enquêter sur ce problème. Mais Patrick, j'ai essayé d'avoir Jérôme Valqueux, secrétaire général de la FIFA, pour qu'il donne son avis dans le cadre de cette enquête exclusive que nous avons obtenue grâce à toi aussi. Alors, j'aimerais savoir, à ton avis, qu'aurait pensé, je pense qu'il est au courant, bien évidemment, à M. Valqueux, qu'aurait pensé M. Valqueux dans le cadre de cette analyse que nous avons essayé d'obtenir avec lui? Alors, je pense que M. Valqueux est très occupé, c'est pour ça qu'il n'est peut-être pas apparu dans votre émission. Il se trouve quand même que la FIFA essaie, ou l'UEFA aussi,
essaie de faire quelque chose contre ces manipulations de match. Le problème, c'est que c'est un niveau de malfaiteur que le football ne peut pas régler. Donc M. Valquette aurait dit, probablement, comme toujours dans le discours, c'est nous ne voulons pas de ça, nous allons condamner tous les truqueurs à vie. Probablement qu'il t'aurait dit ça. Il t'aurait dit qu'ils font de la prévention. Alors oui, ils commencent à faire de la prévention. Le problème, c'est que cette prévention n'arrive la plupart du temps pas où elle doit, ni dans les pays où elle le doit, ni aux joueurs qui peuvent être tentés de manipuler un match. Merci à Patrick Obélie, dans le cadre de l'enquête que nous avons diffusée également de le temps que tu nous as accordé pour cette interview. On te remercie profondément, Patrick. Et on te dit à très bientôt. Avec grand plaisir. À très bientôt. Très bientôt, Patrick. Bonjour à tout le monde. Ok, merci, Patrick. Au revoir. Au revoir. Nous vous remercions d'avoir suivi cette édition spéciale de Samedi Sport ici sur les Champs-Élysées. Nous remercions nos partenaires de l'AFNEX ici à Paris pour nous avoir accompagnés pour la production de cette émission. Nous, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous a dit sport, retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport.